On peut tourner ou c'est comment? Un bon villageois, ça. Vous rappelez l'époque où on tournait des vidéos? Et ouais, c'était bien. Mais en tout cas, il y a un beau setup, hein. On va Les faire amis, une belle recette de cuisine. là on va partir dans une vidéo comme jamais nous n'avons fait sur cette chaîne. Pour rendre à Clément ce qui appartient à Clément, il a dit quoi, Clément? Il Rendez-le a mon dit, métier. Pierre, tu connais ces livres de Tom Tite qui s'appellent Ah, La science science et physique. amusante. C'est amusant par contre. On a lu des bails, les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est un livre qui date de 1890. Vous, bah Ah, voilà, fin fin 19e 19e. siècle, on était là. Voilà. Donc, ça, c'est des rééditions. C'est pas les originaux de 1890. Sinon, t'imagines, Sinon, on le ferait pas de bail, la quoi. cuisine à côté, Voilà. frère. Donc, voilà. Et dedans, en fait, il y a des expériences de 1890. Des expériences amusantes. Ouais, pas amusante pour 1880. Et du coup, on a Vous n'avez sélectionné pas la même notion du fun, hein. On a fait une petite sélection, on va vous faire les meilleurs et on gardera les meilleurs au montage. Les meilleurs meilleurs des meilleurs. Celles qu'on peut faire. Celles qu'on va garder, celles que qu'on va arriver à faire. Les amis, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va tenter une chimère, mais vous n'êtes pas prêts. Avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Twitch de notre ami Joss, sur la chaîne Twitch de Clément. Je vous mets aussi leur Instagram et leur Twitter en bas, tu connais le bail. Et bien sûr, de vous abonner. Et voilà, à ma chaîne Twitch, à mon Instagram, sur Instagram, à tous mes et sur Twitter, et sur TikTok, et sur Porn. On y va, on commence. Yes, c'est parti, première, première expérience. Joss, quelle est ton expérience? Alors apparemment, parce que moi j'ai jamais vu ça, mais si on noircit la cuillère avec une flamme... Mais est-ce que ça fait un tour de magie? Est-ce que ça fait un truc visuel fou? Apparemment, on la trempe dans le... Non, 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 je veux pas savoir, je veux pas savoir. Mais il me demande et après... Non, mais est-ce que ça fait un truc, oui ou non? Non, parce que s'il faut se battre, on peut descendre. Normalement, visuellement, d'un coup, paf, il y a un truc, quoi. Ok, bah vas-y, vas-y. Mais il faut une cuillère en argent. Bah non, Pierre, il a lu tout à l'heure, il a dit n'importe quel type de métal ou quoi. Hein. Non, non, il a lu que argent, gros. Non, 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 Pierre, t'as dit ça. Non, c'est que argent. Là, t'es responsable, Pierre. Non, c'est que argent. C'est ton... Vas-y, Joss, essaye. Joss, c'est ton... C'est que argent, gros. Donc là, à une noircie. You noircie. Non, mais là, faut que tu restes une heure pour que ça noircisse. Non. Non. Il a dit quelques secondes. Attends, mais regarde. Ah, mais c'est bien noir, hein, déjà, regarde. Ah ouais, mais noir, noircie, il faut noircir bien. C'est une belle expérience. Je mange plus avec cette cuillère. Sinon, il meurt. Bah crois-moi qu'elle est désinfectée ta cuillère. Hein. Ok, là je noircis bien. Faut qu'elle soit vraiment recouverte de noir. Hein. Vas-y, fais voir. Chauffe. Monte-la ici. Oh, ah oui, ah oui, là, allez. Là. Vas-y, okay. Trempe. J'espère que ça va marcher autant. Vas-y. Attends, je veux voir aussi. Oh, oh, ça dégage. Oh, on dirait qu'elle est toute clean. Ouais, on dirait qu'elle est clean. Et enlève. Sors là. Oh, incroyable. Joss, mes meilleures expériences. Bravo. Mais genre c'est ouf. Mec c'est tout con et ça l'effet est énorme. Mais en fait c'est pour ça qu'ils disent des couverts en argent. C'est pas la matière, c'est la couleur. Tu vois, tu le ferais genre avec une cuillère en or, ça marcherait pas. Et non, parce que ce serait argenté. Enfin si, ça marcherait mais argenté. Oui oui, ça sortirait argenté, donc ça ferait pas le même effet. Bah... Putain, ça c'est tout con. Pour le coup, gars, vous pouvez le faire à la maison pour montrer à quelqu'un, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Hop, je vais faire ma montagne russe de gouttes. On va mettre de l'huile dans un verre. Ah non, mais prends le saladier. Ah bah oui. Et on le remplit d'huile. Déjà, je pense, si déjà juste ta goutte, elle roule jusqu'en bas, déjà, c'est beau. C'est pas mal. Ah ouais, là, c'est bien, là. Là, c'est un bon escalier. Et il faudrait le faire comme ça, tu vois. Non, mais là, ok, c'est bon. Où est le saladier, s'il vous plaît? Où est le saladier? Là-dedans. De quoi, l'huile? Bah oui. Top. Tu penses? Non. Oui, oui, ça suffit. Non, non, non. On est gourmand, celui-là. Je suis gourmand, hein. Pourquoi? À chaque fois qu'on fait un truc avec des liquides, c'est lui qui s'y colle. On est gourmand. Alors qu'il est vraiment... Ok, je trempe mon papier, me parlez pas. Pourquoi à chaque fois qu'on lui dit non, il est là, si, t'inquiète. Je trempe mon papier. Oh là, oh là là. Voilà, mon papier est trempé, ça il est plein d'huile. Il est plein d'huile. Et là, on va voir les gouttes qui vont tomber les au rythme. De quoi? J'ai créé. Là, c'est bon, c'est bon. J'ai créé une goutte. Quoi? Switch. J'ai goutte d'eau. J'ai une idée. Regarde, tu te mets comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Oh, oh doucement, ça glisse. Attention, la paille de Capricorne. Pas mal. Attention. Faut appuyer sur la Souffle paille. En vrai. Attends, faut filmer de près. C'est bon. Attention, 3, 2, 1. Bon, la descente. Quel régal. Est-ce que si on prend le même bout de papier et qu'on le pose sans huile, est-ce que ça marche pareil? Bah non, peut-être. Non. Non, non, ça va imbiber le papier ça directement. Va imbiber le papier. Tu veux essayer? Franchement? Bah regarde. C'est pour moi. Eye test. Normalement, ça devrait imbiber le truc. Hein. Bah, il y en a peut-être un peu qui va glisser, mais. Après, le papier est épais là quand même. Ah, tu vois, ça s'accroche. Ok. L'expérience fonctionne. Bravo. Donc, c'est l'expérience de Clément.
Mais réalisé par Pierre. C'est ça. C'est parce que moi, je sais pas la faire. Donc, okay, dans l'ordre, c'est café. Ça, c'est la base. Ok, c'est... on peut en mettre mais tout. Mets tout. Non, ouais, de toute façon, personne ne le boira. Dans les livres, il y a écrit l'eau. Mais après, attends, moi, le truc que je comprends pas, c'est que je vois pas comment de l'eau ne se mélange pas avec du café. Du café sucré. Même sucré, gros. Ça coule, l'eau, hein. Ouais. Ça marche, frère. Incroyable. Il y a une légère nuance de couleur. Pierrot, il est trop fort. Hein. En vrai, on est bien, là. Regarde-nous, les trois cons, comme ça, sur la table. On peut passer au vin. Ok, on passe au pinard. Pierrot, très doucement. Secouez pas la table. Ok, ok. Tout doucement, tout doucement. Oh putain, il se mélange, je crois. Non, non, il reste au-dessus. Ah ouais, putain, regarde, il descend et après, il va se ranger. Il va se ranger sous la mousse, en fait. On voit le vin remonter. Ouais, ouais, ouais. On le voit remonter, le vin, tu vois. Ah, et vous voyez qu'il ne descend pas, hein. Ah ouais. Il va se ranger avec le reste. Et là, du coup, on a bien trois couches. Hein. On a l'eau qui a couleur un peu café. On a le vin. Il y en avait une quatrième, c'est quoi? Et la quatrième, c'était ben, l'huile. Ah ouais, l'huile. Et on finit, les gars, avec... L'eau a un peu disparu. Et on finit avec l'huile. Donc, on a bien quatre couches. Hein. Ouais, c'est grave stylé. Donc là, on a bien le café sucré, l'eau qu'on a mis par-dessus, le vin... Et là, une bonne couche d'huile. Bon, on a mis un peu trop de vin, du coup, on a un peu perdu le orange marron qu'il y avait là. Ouais, ça se voit quand même. Mais hein. Oui, on le voit quand même. Ok, et les amis, pour vous montrer que c'est pas du LOL, tu vois, que c'est pas des trucs truqués qu'on a mis dedans. Ça va refaire pareil? Non. Ah non. C'est fini. Ah non. Si, il y a que l'huile qui va se séparer. Une espèce de mousse d'huile. C'est énorme. Bravo. Bravo, Pierrot. Belle perf. Pas besoin de nous expliquer, hein. En gros, voilà. Une image maintenant. Voilà, on va essayer de vous faire ça. Voilà. Bah, on va pas y arriver. La bouteille en danger, là, elle est bien en danger. Bah là, avec nous, elle est bien en danger. Il faut de l'eau dans la bouteille. Là, les gars, on va défier les lois de l'apesanteur. Il faut les choisir parmi les plus adroits de vos amis. On est là. Clément, moi, je te le propose. Tu prends un verre, moi, j'en prends deux. Joss, il pose la bouteille. Ouais. Clément, lève un peu. Voilà. Voilà, Joss, là, on y est. Si tu poses, ça passe. Non, c'est de la merde. Lâche. Ah, j'ai peur. Elle a tenu pendant une seconde. Hein. Attends. On n'est pas loin. Mais nous, on n'avait pas lâché. Là, ça va être carnage, hein, si ça tombe. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas assez de poids. Je vais rajouter de l'eau. Vas-y, rajoutez de l'eau, monsieur. C'est la bouteille, à mon avis. C'est la forme de la bouteille. Non, moi, si on pose comme ça, on tape. Moi, je pense que ça, c'est pas assez large. Tu vois, t'en as toujours un qui va être plus enfoncé. Mais c'est là. Vas-y, Joss. Bouteille. Là, si on y arrive à deux alors qu'il faut être quatre, franchement. Bah voilà, ça tient. Parfait. C'est les verres qui tiennent pas, en fait. La bouteille, elle peut tenir. Ah oui, la bouteille, on y arrive. Hein. Lève debout sur la bouteille. Voilà, ça peut pas mieux faire. Franchement. Ok, maintenant, il y a quelqu'un qui tire la nappe très vite. Attends, regarde. Moi, je te fais des trucs. Moi, je te fais des bails. Je suis sûr que je peux le faire. Non, non, ça va tomber, Pierre. Enlève le bouchon. C'est pas trop ce qui était prévu au départ. Non, mais je rattrape au cas où. Mais c'était pas mal. On a fait une construction, c'est pas mal. Ton dernier verre, il était décalé d'un millimètre à droite, ouais. Ça a tout fait... Bon, on n'a pas réussi celle d'origine, mais on a fait une construction. S'il y en a qui arrivent à faire le truc avec les trois verres comme ça... Franchement, envoyez-le. Ah ouais, si vous y arrivez, envoyez une photo, franchement, c'est incroyable. Sans colle. Ah oui, sans coller les verres. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces expériences vous ont amusé. Si vous arrivez à refaire ça, mais sans le scotch, comme on a triché, envoyez la photo les amis. Si ça vous a plu, bien sûr, vous mettez le petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, t'actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bang, bang. Tchuss. We'll be right back.